Salut à vous tous, aujourd'hui je vais vous faire un déballage, une présentation de la nouvelle GoPro Hero 5 Black Edition qui vient de sortir il y a quelques jours, exactement le 3 octobre. Elle prend des photos de jusqu'à 12 millions de pixels avec 30 images secondes avec un mode rafale et accéléré. Là en vidéo elle filme jusqu'à 4K 30 images secondes et puis après 1440 80 images secondes, 1080 jusqu'à 120, écoutez bien, jusqu'à 120 images secondes, c'est top. Donc comme je vous ai dit, étanche jusqu'à 10 mètres, donc à peu près 33 pieds. Donc la commande à bouton unique, donc, bien sûr le Wi-Fi et le Bluetooth. Nous avons un réducteur de bruit du vent avancé, donc ça nous permet d'avoir un vent, avoir une réduction du vent quand on est à l'extérieur. Il y a un contrôle vocal, donc on peut lui dicter certaines choses et elle mettra en route. La stabilisation vidéo, donc l'image reste stable en marchant ou en courant. C'est le but quand même. L'écran est tactile, ça n'a pas changé. Vous avez un transfert automatique dans le cloud, donc apparemment GoPro a un cloud qui vous permet de transférer vos images via des applications. Géolocalisation aussi, qui n'était pas dans l'ancienne. Et enfin, elle filme les photos soit en RAW ou en WDR. Voilà, on a fait un petit récap rapide. On va commencer le déballage. Alors, je n'ai pas ouvert, hein, donc je viens de la recevoir. Comme d'habitude, hein, pas de sponsor, pas de placement de produit, j'achète avec mes propres moyens tous les produits qui m'intéressent et que je veux vous présenter. Donc voilà, alors comment ça s'ouvre, est-ce que c'est la même galère que les autres modèles? Je suppose que oui. Bon, on va faire ça tranquillement, proprement. Ah, c'est la même galère. Un petit truc ici, ah, peut-être pas tirer dessus. Et après, on tire sur la boîte. Ah non, c'est plus simple, beaucoup plus simple. Donc voilà comment elle se présente, la fameuse GoPro. On va essayer avec le genre de... La boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, nous avons la notice. On va changer. Nous avons à l'intérieur... la batterie, le câble micro USB USB pour recharger, et c'est tout. Et là on va venir, donc on peut l'enlever comme ça. Il y a un joint de protection derrière, et on vient clipser de cette façon là. Donc voilà la nouvelle GoPro Hero 5 Black Edition. Alors ce modèle là est livré avec un frame. Le frame, c'est ce plastique là qui vous permet d'avoir accès à tous les boutons et en même temps avoir accès au micro si vous n'avez pas un micro externe. Donc voilà, je vous montre. Elle a l'air très légère en tout cas. C'est le même modèle. J'ai l'impression que c'est un peu plus petite que les anciennes, que les 4. Mais bon, c'est peut-être une impression. Et ça, donc, c'est le fameux frame qui vous permet de l'avoir avec un trépied ou avec un socle ou peu importe. Pouvoir filmer. Donc, avec ça, vous pouvez plonger jusqu'à 10 mètres. Puis au-delà, il faudra mettre un caisson étanche, les fameux caissons transparents là. Voilà. Faire le premier démarrage, pourquoi pas. Allez, on va essayer derrière là le socle de la batterie. Et on vient glisser la batterie. Alors, là vous allez voir, je ne vais pas pouvoir le tester. Vous avez donc l'emplacement de la batterie. Et juste à côté, là-haut, vous avez l'emplacement pour mettre la carte des micro SD. Juste là. Donc du coup, je ne pourrai pas vous faire un test parce que je n'ai pas sur moi ce qu'il faut. Voilà. Et on va fermer. Première image, je vous montre. Voilà, je m'arrête là.
Je vous ferai sûrement des tests, un test plus complet à l'extérieur. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations sur le produit, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Ciao.